nous condamnons bien entendu, de la manière la plus vive, les caricatures de Charlie Hebdo qui, alors, je sais bien que l'homme est le seul animal qui tombe deux fois dans le même trou, mais là, répéter et recommencer les mêmes âneries, les mêmes idioties, les mêmes calomnies, la même ignominie, nous paraît plutôt relever d'un syndrome strictement psychiatrique. Nous allons, avec tous nos frères, concocter un communiqué qui sera lu en français et en arabe dans toutes les mosquées de France, afin de les informer de notre conseil, de notre prise de position sur la situation actuelle. Tous les responsables musulmans, depuis ces événements après le film insultant, ont appelé au calme, à la sérénité, et l'ont appelé musulmans à ne pas répondre à la provocation. Et je trouve aujourd'hui, ce ne sont pas les musulmans qui apportent une nouvelle provocation, c'est Charlie Hebdo malheureusement. Il y a une limite à cette liberté d'expression, c'est la liberté de croyance, c'est la liberté de conscience, et aujourd'hui, que les musulmans soient extrêmement touchés et tristes par cette agression, nous en sommes conscients, mais nous n'allons pas répondre à la provocation de façon tout à fait intempestive. Je le dis simplement, aujourd'hui, nous sommes